Salut les filles, voilà donc comme promis, je vais commencer à faire des hauls, des vidéos pour vous parler un peu de mon shopping et de mes derniers achats. Donc déjà désolée par avance si je parle un peu du nez, je suis grippée, je suis assez malade. Donc j'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo et que le son sera pas trop mauvais car je filme avec la webcam de mon Mac. Voilà. Donc, pour commencer ce haul par rapport aux achats que j'avais publiés sur ma page fan la dernière fois, qui étaient des achats eBay de vendeurs chinois, 2-3 semaines pour venir. Donc, je vais l'ouvrir avec vous pour découvrir le produit. L'imprimer. Apparemment, c'est déjà beaucoup moins transparent que sur les photos. Donc, ça m'arrange pour le coup. Donc voilà, je viens de voir que c'est style Zara, mais finalement. Attendez. C'est style Zara, mais finalement, l'étiquette de derrière, c'est Zab. Donc me revoilà avec la chemise que je porte sur moi. Donc, je ne sais pas trop si vous pouvez voir ce que ça donne. C'est un peu loose. C'est exactement. Exactement comme je voulais, et c'est pas du tout aussi transparent que sur la photo. Donc, après vérification, j'ai commandé le 4 janvier, donc à peu près 2 semaines, 2 semaines et demie. Et donc, la chemise m'a coûté 10,22 €. Donc, pour le prix, vraiment, je suis vraiment satisfaite parce que je pense pas que je pourrais avoir quelque chose même dans les petites boutiques asiatiques pour 10 €. Donc vraiment, elle fera le bluff pour le printemps-été. Voilà. Un autre modèle qui est copié de Zara de l'été dernier. Donc voilà, pour avoir un aperçu encore de l'étiquette qui est très Zara. Donc c'est censé être une espèce de robe un peu kimono qu'on peut mettre en gilet. Donc j'ai pris du L aussi. Bah, je préfère toujours que ça soit trop grand que trop petit. Vraiment, pour le prix, 12 € à peu près, il me semble. Oui, 12 €. 12 € et quelques, avec les frais de port gratuits pour les 3 produits que je viens de vous montrer. Bah ça, je suis très satisfaite. J'ai vu le modèle original de chez Zara il y a un an ou deux, je crois. Et la qualité a été quasiment similaire. Donc pour ce produit-là, vous trouverez le lien en dessous, bah, je suis vraiment satisfaite, vraiment à 95%. Voilà, je suis très satisfaite de ces achats faits sur eBay via la Chine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire du shopping via la Chine peut-être. Voilà, je vous fais des bisous, merci, bye bye.